Autre point de l'actualité, les restaurateurs et tenanciers de maquis ont repris du service vendredi. Une réouverture conditionnée par le respect des mesures barrières. Le constat est cependant mitigé dans la ville de Ouagadougou, car dans les maquis, l'on trouve le cachinet encombrant. Et au restaurant, les clients privilégient les plats à emporter. Nongba Kouda, Amadou Marcel Tau. Dans ce restaurant de la place, système de lavage de mains et de désinfection, tout est mis en œuvre pour permettre aux clients de se restaurer sur place. Mais c'est sans compter avec la psychose imposée par le Covid-19. Il faut mieux prévenir que guérir. On ne sait pas qui est qui. Voilà, donc pour cela, moi j'aime beaucoup l'emporter parce que tu prends et puis tu repars. Ça évite beaucoup de choses, quoi. Tu peux t'asseoir et puis voilà, bon, je ne sais pas si son voisin a ça ou pas. Donc, pour cela, moi je préfère l'emporter puis voilà, aller manger à la maison ou au bureau. C'est toujours mieux. On n'est toujours pas satisfait. La clientèle se fait vraiment rare. C'est vrai que c'est réouvert, mais les gens n'ont toujours pas confiance, ils ne veulent toujours pas être ensemble. Dans les maquis et autres lieux de distraction, l'allègement des mesures barrières, notamment la réouverture de ces lieux, était tant attendu. Pour les clients, la vie reprend tout simplement son cours normal, même si par moments, le respect des mesures barrières laisse à désirer. Ça nous manquait beaucoup même. Parce que c'est comme si on était en prison, comme qu'on a eu la chance d'avoir le hôtel là. On peut au moins profiter un peu, s'épanouir un peu. Non, cachiné, c'est au niveau des véhicules là, c'est au niveau des véhicules là. Mais on ne peut pas boire cachiné là, sincèrement. Bon. Ça nous a fait un peu de souffrance. Parce qu'on n'a plus de relation. La relation, on dit quoi? Vous savez, au Burkina ici, bon, il faut qu'on cause ensemble pour pouvoir échanger, pour arranger quelques certaines choses. Mais bon, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais comme c'est oui comme ça, nous sommes très contents. On va essayer de respecter. Mais nous sommes ici là. Nous respectons les consignes. Nous portons des masques. Bon, la consigne de distanciation a été respectée. Donc, nous pensons que la COVID-19 là ne passera pas par nous. Côté promoteur, c'est un nouveau départ pour leurs activités. Bon, vraiment, c'est un ouf de soulagement. Parce que vraiment, ce n'était pas vraiment facile, puisque beaucoup ont perdu leur emploi par rapport à ça. J'attendais l'ouverture parce que ça fait 2 mois et quelques jours là, je n'avais rien. Même 100 francs pour sortir, payer, même il n'y en a pas. À cause de l'ouverture aussi, c'est que ma maman va avoir fier de moi, parce que je vais l'envoyer quelque chose aujourd'hui, s'il plaît à Dieu. Sincèrement, cette mesure à prix là, c'est très bon. Mais si on va revoir un peu, tout le monde connaît les maquis, ça fonctionne aussi avec la clientèle. Mais avec le couvre-feu, ce n'est pas facile. Donc si le gouvernement peut prendre des mesures, bon, même si c'est pour avancer le couvre-feu, soit enlevé, vraiment ça va nous soulager. Tu veux boire une bière là, déjà il est 21h. Donc s'il peut même enlever le couvre-feu là, c'est mieux. C'est également le vœu de l'ensemble des acteurs de toute la chaîne en attendant la réintégration des soirées dansantes et autres spectacles.